Bonjour amis téléspectateurs de CSTV, merci de vous avoir nombreux sur vos petits écrans pour suivre cette émission Évangile selon Motona Moto. Émission Bolingara Mingi, Bosepela Kolanda, avec votre même serviteur Maître Donat. L'actualité nous oblige de venir vers les politiciens. Comme vous savez, nous venons de passer un moment de jamais vu, surtout pour notre pays, un opposant au pouvoir, sans effusion du sang. Sans qu'il y ait même coup des armes, et c'est grâce à Dieu qui a voulu que ça se passe ainsi. Mais alors après des élections, vous savez ce qui se passe chez nous. C'est pour cela que nous sommes obligés de nous approcher vers les politiciens. Comme vous savez, pour l'UDPS, nous venons toujours chez Dr Kabanda. Je pense que vous avez vu les décors et vous connaissez. Si en voyant ce décor, vous comprenez que je suis chez Dr Kabanda, qui est représentant de l'UDPS Belux. Bonjour Dr Kabanda. Bonjour Maître Donat. Alors félicitations pour les élections. Merci, merci. L'UDPS a gagné après 38 ans de lutte. On peut le dire, en tout cas. Alors, mais malgré ça, les résultats provisoires, si ça sera confirmé, je pense que ça sera la fête. Vous descendez à Kine bientôt, je pense. Oui, je pars pour la prestation de serment parce que, quoi qu'on dise, je pense que M. Tshisekedi, Félix Tshisekedi, est bien l'élu du peuple. Et si tout se passe bien, puisque la Cour constitutionnelle va se prononcer d'ici peu en tout cas, et si tout se passe bien, il va devoir prêter serment le mardi 22 janvier 2019. Et malgré la contestation. Mais la contestation, on les voit, l'égal de contestation, c'est la Cour constitutionnelle. Et donc, le dossier, en tout cas, l'unique contestateur qui est M. Fayoulou a déjà déposé son recours. Et il y a eu des plaidoiries, il y a eu le procureur général qui a fait sa réquisition. Et donc, nous attendons maintenant la décision de la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle tranche et donne ou confirme les résultats, je crois qu'il n'y a plus aucun obstacle à la prestation de serment. Mais le feu est vert pour le président Fatih. Hein. Personnellement, je suis convaincu que le feu est vert parce qu'il n'y a plus rien qui va le retenir. On a vu clairement que ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle, le recours ne se base sur aucun élément objectif. Le contestataire qui est M. Fayoulou n'a présenté aucun élément objectif. Ils n'ont pas de données, donc ils n'ont pas eu de centre de compilation, ils n'ont pas eu des observateurs. Ils se basent malheureusement sur la CENCO qui apparemment est leur centre de compilation. Mais comme la CENCO ne peut pas jouer ce rôle-là, il se trouve un peu coincé, il n'a pas d'élément objectif pour prouver qu'il peut contester cette victoire. Donc, nous attendons que la Cour constitutionnelle donne son verdict et surtout sort l'arrêt confirmant les résultats donnés par la CENI. Et vous pensez que M. Fayoulou n'a pas raison à contester? Ben, il a tout à fait raison, M. Fayoulou, de contester parce que, bon, dans toute élection, il y a toujours des perdants et des gagnants. Hein? Donc, les gagnants ne peuvent pas contester, mais les perdants contestent toujours parce que chacun espère toujours qu'il y aura une chance, soit qu'on le repêche, soit qu'on annule le scrutin, etc. Et donc, M. Fayoulou fait son devoir. Maintenant, il faut, entre contester et prouver ce qu'on conteste, ou prouver sa démarche, qu'elle est justifiable, il y a une marge. Et donc, ici, M. Fayoulou a été un peu, personnellement, j'ose le dire, induit en erreur parce que la presse internationale s'est permis de s'emparer des informations que je qualifierais personnellement de fantaisistes, parce qu'on peut le prouver s'ils sortent le rapport, qui n'est pas encore sorti, et qui prétendent que M. Fayoulou est le gagnant de cette élection. Et la CENCO, enfin, ce n'est pas l'Église qui est mise en doute, c'est en tout cas l'institution, la CENCO, quelques personnes dans la CENCO ont mis aussi le doute dans la tête de M. Fayoulou dès le début en affirmant qu'il connaissait les vainqueurs de cette élection et surtout en affirmant que les données, en tout cas les résultats donnés par la CENCO, ne correspondent pas
à la réalité pour eux, en tout cas, ne correspondent pas aux données qu'eux ont. Voilà pourquoi M. Fayoulou a été encouragé dans ce... Qu'est-ce qui se passe, Dr Kabanda, en suivant la séance de la Cour constitutionnelle, on a vu que la CENI a tout démontré. Il a même présenté à la Cour le rapport des observateurs, des groupes des observateurs, qui étaient présents pendant les échéances. Mais il n'y a pas le rapport pour le Cenco. Mais comment M. Fayoulou a su qu'il a gagné? On nous parle toujours de ses sources Cenco. Est-ce que le Cenco devrait donner ce qu'il a comme rapport à la CENI ou au candidat présidentiel? Je pense que la Cenco a outrepassé son rôle. Revenons un peu sur cette institution. Comment est-ce que la Cenco se trouve dans ce processus? La Cenco, c'est la seule institution observatrice des élections qui devait avoir au moins 40 000 observateurs. Et la Cenco a bénéficié, ce qui est aussi unique, parce que, comme vous savez, le processus électoral, Kinshasa avait refusé de recevoir le fonds extérieur. Et donc, M. Kabila, qui a voulu organiser ces élections sur fonds propres, pour des raisons qui lui sont tout à fait personnelles, la Cenco a bénéficié de 2 millions d'euros de la part de la Belgique d'abord. Ensuite, la Cenco a reçu aussi des fonds de la part de l'Union européenne. L'unique institution, en tout cas dans ce processus, c'est avoir reçu de l'argent extérieur de la communauté internationale. La Cenco a reçu cet argent pour former les observateurs. Et la Cenco nous a rassassé les oreilles qu'ils avaient 40 000 observateurs. Il s'est fait malheureusement que la CENI, dans son accréditation, parce que finalement ces observateurs reçoivent l'accréditation de la CENI, la CENI reconnaît avoir délivré environ 17 000 accréditation pour la Cenco. Mais plus grave, on se rend compte que sur le terrain effectif, sur le terrain le jour des élections, il n'y avait que 5000 observateurs de la Cenco. Alors, le fait que la Cenco ait, dès le lendemain de l'élection, dit, affirmé qu'elle connaît le gagnant de cette élection et que cela n'est basé que sur des données partielles, Ça pose un gros problème par rapport à la Cenco. Enfin, en tout cas, par rapport aux responsables, quelques responsables, parce que la Cenco regroupe un certain nombre de prêtres catholiques. Ils sont plus d'une cinquantaine. Mais il n'y a que le directoire de la Cenco qui manipule un peu tout ça. Alors, plus grave, M. Kamitato, qui est le conseiller en communication de candidat Fayoulou, dans le cadre de la Mouka, leur plateforme, M. Kamitato affirme sur une chaîne internationale, la TV5, que la Mouka a équipé ses observateurs de 40 000 smartphones. Quelle coïncidence. Alors qu'on sait que la Mouka, qui a fait campagne contre la machine à voter, dans le cas de boycott, en tout cas dans l'objectif de boycotter les élections, cette plateforme n'a jamais eu le temps de former des observateurs, en tout cas pas 40 000 observateurs. Et donc, le lien vite fait entre les 40 000 observateurs de la Cenco et les 40 000 smartphones de la Mouka. Ça, si ce n'est pas une collision, qu'est-ce que ça peut être? Donc ça, alors, être au courant des 17 000 accrédités par la CENI et 5 000 qu'on a retrouvés à durée de vote. Ça importe peu, mais toujours est-il que la Mouka a donné des smartphones à la Cenco. Ça pose un gros problème de crédibilité. Si la Cenco, c'est une institution qui est censée être neutre, un observateur neutre, recevoir l'argent de la communauté internationale, dans un contexte où le pays a refusé le financement extérieur, recevoir des smartphones de la Mouka, et se permettre, dès le lendemain, de dire qu'on conteste les résultats de la CENI. Vous comprendrez que
Alors, pas plus tard qu'il y a deux jours ou trois jours, la presse internationale s'est emparée de données, soi-disant, qui auraient fuité à la CENI, à la CENCO, et que ces résultats donnent Martin Fayulu gagnant avec 60%. Tenez-vous bien, 60%. Et on donne, deuxième, dans ces données, on donne M. Chadari comme poursuivant M. Fayulu et le candidat Félix-Antoine Tshisekedi, qui était proclamé gagnant par la CENI, n'occupe que la troisième position avec, tenez-vous bien, 15%. Il y a un gros problème dans tout cela. La CENCO ne peut pas être considérée comme crédible, comme je viens de le démontrer. Mmh. Et donc, M. Fayulu a raison de contester les résultats, mais du moment où il n'a pas des preuves matérielles pour soutenir ce qu'il affirme, du moment où la CENCO n'est pas habilitée à publier ses données parce que ce n'est pas son rôle, je pense que M. Fayulu se trouve dans de beaux draps, parce que finalement, c'est lui le nom de la farce. Mais docteur Kamara, c'est un peu bizarre, parce que si je comprends bien la loi électorale, donne le pouvoir d'avoir le PV que des témoins. Et les observateurs n'ont pas droit. Ils sont là pour observer. Et comment on peut envoyer les smartphones aux observateurs au lieu d'envoyer aux témoins, qui sont les vrais témoins, qui peuvent leur envoyer des vrais résultats? À ce niveau-là, je pense qu'ils peuvent avoir raison de dire qu'ils ont le PV, surtout s'ils avaient effectivement des smartphones, parce que les PV sont affichés dans les bureaux de vote. Ouais. Après les élections, on affiche le PV, et donc ceux qui ont des smartphones peuvent facilement prendre des clichés de ce PV. Mais eux-mêmes, leurs avocats disent qu'ils condamnent CENI de ne pas avoir affiché des listes au bureau de vote. Alors, si les avocats affirment cela, qu'en même temps la CENCO affirme qu'ils ont les PV et qu'ils ont des données, ça devient effectivement très compliqué. Voilà pourquoi moi je pense que tout ça, c'est de la vaste blague faite pour distraire le peuple congolais. Alors, qu'est-ce qui arrive que la Belgique et la France s'acharnent et contestent encore beaucoup plus les élections de M. Félix Tshisekedi par rapport même aux Congolais eux-mêmes? C'est une très belle question, parce que je crois que je ne vous donnerai peut-être pas la vérité de la Bible, mais toujours est-il qu'on peut se poser la question depuis Genève déjà. À Genève, il y avait les candidats qui étaient encore en lice, et malheureusement, les candidats qui n'étaient plus en lice, dont M. Katumbi et M. Bemba. On s'est posé la question qui était derrière Genève. Aujourd'hui, on sait que ce sont les multinationales occidentales qui exploitent les mines dans la région, dans la province du Katanga. Et ces multinationales, vous comprendrez bien que les liens avec la Belgique et la France est vite fait. Ok. Et donc, moi, je ne suis pas sûr que l'acharnement que manifestent la Belgique et la France ne soit pas tout simplement dans le cadre de deals tout à fait occultes entre ce candidat Fayulu, finalement, qui n'a été connu pour la communauté internationale, parce que ces journalistes de la presse internationale qui se font le chantre de la victoire de Fayulu aujourd'hui. Quand on leur pose la question, la majorité ne connaissait pas Fayulu jusqu'à Genève. Et comment est-ce quelqu'un qui n'était pas connu jusqu'à Genève peut se prévaloir d'avoir gagné 60... À Kinshasa, on lui donne même 70% des suffrages. Ça, c'est vraiment prendre les Congolais pour des imbéciles. Et tout ce bruit se fait comme par hasard, essentiellement en Occident, en Europe, parce qu'au Congo, on n'entend rien. La fuite de données qu'on a diffusée, que les journaux, ce sont les chaînes internationales sont emparées, à Kinshasa, on n'est pas au courant. Pourquoi on organise le fuite qu'à l'extérieur et pas dans le pays? Parce qu'à ce moment-là, on donnerait l'occasion des électeurs de Fayulu de se manifester, de dire, voilà, la vérité est là, nous avons élu notre candidat, nous protestons.
Non, on fait la fuite vers l'extérieur. Si ce n'est pas à dessein pour pouvoir manipuler l'opinion internationale, moi je ne sais pas ce que ça s'appelle. Au moment où nos frères, nos confrères africains soutiennent la situation ou les élections qui se sont déroulées au Congo, et nous les Congolais, on se divise, on dit autre chose. Et alors, une autre question, quelle est votre lecture quand on voit par exemple la lecture de surtout pour le rejet de requête de M. Fayulu? J'ai suivi le ministère public, je crois, celui qui a. Il dit que M. Fayulu, dans sa requête, il réclame l'annulation des élections. D'aider, il demande qu'il soit reconnu comme président. Et en même temps, il demande qu'on récompte les élections. Je ne sais pas quelle est votre lecture. Oui, c'est plusieurs demandes qui ont même fait que sa demande était considérée comme tout à fait fantaisiste, parce qu'il a demandé beaucoup de choses sans apporter aucune preuve matérielle. Tantôt, on demande... Et puis d'abord, le pourcentage qu'il s'attribue, tantôt c'est 47 ou 41%. On descend à 52, on part à 48%. Et donc, il y a au moins deux pourcentages différents qui s'octroient pour revendiquer la victoire. Ça posait un problème à la Cour. Et puis, il demande l'annulation de l'élection. Alors que c'est lui qui a voté. Voilà, s'il s'estime être le gagnant, demander l'annulation de l'élection, ça pose problème. Mais donc, les demandes sont un peu assez fantaisistes. Voilà, ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles je pense sa demande sera tout simplement. C'est la même confusion qu'on trouve chez les médias occidentaux. Eux-mêmes, ils parlent de 62, ils parlent de 58. Alors, est-ce que vous avez un peu d'analyse sur la situation? Parce que TV5 a parlé l'histoire des 71% des participants, qui est vrai. Et ensuite, il y a 3 millions. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer à nos téléspectateurs? Alors, j'ai pris les chiffres que TV5 a présentés à partir de leur documentaire qu'ils ont fait. Ils disent qu'ils ont reçu toute une série de données qui auraient été, qu'on a fait fuiter dans la presse par un donneur d'alerte, quelque chose comme ça. Et ils disent que dans ces données, il y a 71% de suffrages qui représentent les données qui sont traitées, ce qui fait à peu près 13 110 000 électeurs qui ont voté. C'est ça, les suffrages. Sur les 18 qui constituent l'ensemble. Ah, ouais. Alors, là-dessus, on donne à Fayulu 60%. Ça, c'est TV5. TV5, dans les documents qui ont fuité, qui ont fuité de la CENCO. Et ils ont aussi des éléments qu'ils ont pu comparer, donc qui ont fuité de la CENI et qu'ils comparent avec les données de la CENCO. Et là-dessus, ils estiment que Fayulu a gagné avec 60%, M. Chadari a gagné avec 25% et Félix Tshisekedi n'a gagné qu'avec 15%. Et si on répartit les 13 111 000 voix, on trouve que M. Fayulu a au moins, en tout cas, globalement, 10 800 000 voix. Et Chadari Olé aurait 4 500 et Félix Tshisekedi n'aurait que 2 700. C'est un peu compliqué, mais vous allez très vite comprendre. Et donc, si monsieur, et la journaliste conclut en disant, on a pris 3 et demi de voix à Fayulu, qu'on a reparti à monsieur Chadari et Félix pour le proclamer vainqueur et poursuivant. Et donc, ils estiment que la CENI a pris 3 millions de voix à Fayulu, qu'il a donné à Tshisekedi et à Chadari. Or, quand on regarde les résultats de la CENI, la CENI donne à Félix Tshisekedi comme gagnant avec 38,57%, soit 7 051 000 voix. 7 051 000 voix. Ça, c'est ce que la CENI lui donne, c'est que tout le monde connaît maintenant. Tandis que dans les données qui ont fuité, Félix Tshisekedi n'a que 2 700. Plus 3 500. Si on met 3 millions sur 2 700, on ne trouve que 6 millions 100. 6 millions, à la limite, 6 millions, donc ça fait 6 millions 200.
6 200 par rapport à 7 millions, environ 50 000, il y a une différence. Beaucoup même. Or, ils affirment qu'on a pris les 3 500 000 de voix de Fayoulou qu'on a donné à Chadari et à Félix pour le programmer champion. Il y a un problème. Alors maintenant, on donne que les 3 500 000, on laisse Chadari, on donne à Félix, mais ça n'atteint même ça pas. Ça n'atteint même pas son score. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, qu'on fasse ce genre d'enquête, c'est très bien. Qu'on fasse du bruit parce qu'ils en ont la possibilité, c'est très bien. Mais je crois qu'on devrait avoir le minimum de retenue et donner des résultats, ne fût-ce que publier ces rapports pour qu'on puisse examiner à fond ces rapports qui donnent des résultats tout à fait fantaisistes et qui attribuent ça à la CENI, soit disant que c'est une fuite qui malheureusement n'est dirigée qu'à l'extérieur du pays. Merci Dr Kabanda. Je tiens à vous rappeler, vous tous ceux qui nous suivent en cet instant, que nous sommes avec Dr Kabanda, le représentant de l'UDPS Belux. Avec lui, nous essayons un peu de parler sur les élections, toute la situation qui se passe actuellement dans votre émission que vous aimez très bien, Evangelo Motonamoto. Parce que Kuna Motonamoto, Zaro Lobanandenge Naye. Alors Dr Kabanda, maintenant, président Félix, on lui a voté, si on suit ce qu'on a dit par CENI, et les résultats provisoires. Mais comment se fait-il que lui qui est élu président n'a pas de vraiment majorité au Parlement ou aux élections législatives? C'est flou. Hein, donc c'est une excellente question parce que ça m'amène aussi à faire un petit commentaire sur les législatives parce que mon passage sur TV5 a laissé un peu le flou dans les têtes des gens. En prétendant que, puisque j'ai dit qu'il y avait des irrégularités ou fraudes qu'on a transformées en fraude, maintenant j'ai insisté sur les irrégularités, et que ça donnait l'occasion aux gens de la Mouka d'affirmer que oui, même le représentant de l'UDPS reconnaît qu'il y a fraude. Non, c'est vraiment malhonnête. Qu'est-ce qui se passe au niveau des législatives? C'est difficile de parler de fraude et même de ces irrégularités, parce que le problème, ça réside dans le système qui a été mis en place par le régime de M. Kabila. Pour les législatives, d'abord, il faut faire la distinction entre la législative et la présidentielle. Ce sont deux élections tout à fait différentes, couplées, mais qui n'ont pas de lien l'une et l'autre. Ce n'est pas parce qu'on a fraudé à la présidentielle qu'on aura nécessairement fraudé à la législative. Mais donc, la présidentielle, c'est une circonscription unique, tandis que pour la législative, on avait plusieurs circonscriptions et encore 15 000 candidats. Mais donc, pour revenir à la législative, on a introduit le système de la proportionnelle avec seuil électoral. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le cas de la loi électorale, il est déterminé pour la législative nationale un seuil d'1%. Ça veut dire que sur les 18 millions d'électorats, donc d'enrôlés, des électeurs potentiels, sur les 18 millions, il faut qu'un parti politique et 1% des 18 millions. Ça veut dire 1 800 000 voix. Pour être pris comme un parti qui peut potentiellement bénéficier des députés. Si le parti n'atteint pas ce nombre de voix, de manière globale, c'est 1 800 000. C'est ça le 1%. Ah non, ça c'est pas 1%. Non, c'est 18 000. 18 000, oui. Attends, donc le 18 millions, c'est le 100%. Oui. C'est 180 000 voix, pardon. 1 800 000, c'est un peu beaucoup. Ouais. Non, 180 000 voix. Si le parti politique n'atteint pas le 180 000 voix, ce parti est d'office écarté de la répartition de sièges. Ça s'appelle le seuil électoral. Okay. Après ça, on a le quotient électoral. Dans une circonscription comme par exemple, je prends un exemple de Kinshasa, il y a, 55 sièges.
Et chaque parti, son nombre total de voix, on divise par le nombre de sièges. Ça, ça s'appelle le quotient électoral. Tout candidat qui n'aurait pas atteint ce quotient électoral est d'office éliminé pour la répartition de sièges. Voilà où le calcul est tout à fait compliqué, qui fait que, excusez-moi, vous pouvez trouver dans un parti des gens qui ont eu beaucoup de voix, mais qui ne seront pas élus, tout simplement parce que le parti n'a pas atteint le seuil électoral. Et même si le parti n'a pas atteint le seuil électoral, ils n'auront pas atteint les quotients électoraux. Et donc, il n'y a pas de député. C'est à ce niveau-là, cette procédure qui est difficilement compréhensible pour un grand nombre de partis politiques, on a vite compris qu'il y a eu des irrégularités. Mais en fait, ce n'est pas des irrégularités. C'est des irrégularités au niveau où le parti au pouvoir a pris la précaution au départ de créer des multitudes de partis, ce qui lui a permis d'avoir un seuil rapidement, ce qui lui a permis d'avoir les quotients électoraux et donc d'avoir un nombre important de voix, des députés. Voilà pourquoi le président élu, alors qu'on s'attendrait à ce que ceux qui l'ont élu, parce qu'ils ont adhéré à sa candidature, donc à son programme, qu'ils puissent aussi adhérer à ses députés. Mais comme le président élu, l'UDPS, n'avait que peu de candidats par rapport à, au FCC, donc PPRD, etc., voilà pourquoi aujourd'hui la majorité se trouve dans le camp du régime au pouvoir. Bon, les autres disent que alors le président, avec tout ce que vous venez d'expliquer, il risque de ne pas avoir le pouvoir de décider parce que beaucoup de députés seront de l'autre côté. Là aussi, je pense qu'il faut tranquilliser nos compatriotes qui sont inquiets et qui croient que ce que dit ne sera que un pantin, l'étiquette ou celui qui va inaugurer les chrysanthèmes et qui n'aura aucun pouvoir. Non, je crois que c'est faux. Pourquoi je dis que c'est faux et je vais le démontrer? Quand on regarde les partis, la liste de députés qui sont élus, aucun parti politique n'a la majorité. On parle de PPRD à beaucoup de... PPRD, effectivement, a un nombre plus important de députés par rapport à tous les partis, mais il n'atteint pas la majorité. Parce que n'oublions pas que le nombre total de députés, c'est 500. Et le PPRD a environ 60 ou quelque chose comme ça, n'atteint même pas 100. Donc, il n'a pas la majorité. Aucun parti politique n'atteint la majorité. Donc, il y a que le FCC comme plateforme. Mais mais le FCC n'est pas un parti. N'est pas un parti politique. Le FCC, au départ, c'est une plateforme électorale. Qui a d'ailleurs été constituée avant l'élection. Maintenant, après l'élection, qu'est-ce qui est prévu par la Constitution? C'est là que les gens doivent ouvrir les oreilles pour écouter. La Constitution prévoit, à l'article 78, que si au terme de l'élection législative, aucun parti n'emporte la majorité, le président élu désigne un informateur. Et on l'a déjà vu, quand Kabila a été élu en 2011, il y a eu ce genre de... Donc c'est une jurisprudence. Le président désigne l'informateur qui va maintenant prendre des contacts, faire des consultations pour dégager une majorité. Donc il n'est pas exclu que le président élu, après avoir constaté qu'il n'y a pas un seul parti qui a la majorité, parce que c'est ça la loi, qu'il désigne un informateur et que cet informateur lui sorte une majorité qui va lui permettre de conduire son programme. Donc toutes les possibilités sont là et en tout cas, on ne peut pas affirmer à 100% que ce président Félix-Antoine Tshisekedi qui est élu n'aura pas de majorité pour mener sa politique. Alors, merci beaucoup, Dr Kabanda. Nous acheminons vers la fin de notre émission, mais il y a une question. Cette situation des élections
a créé une division terrible au sein des Congolais, au sein de la communauté congolaise, un peu partout dans la diaspora, manipulée par ceux qui ont besoin de gagner les élections ou continuer à piller ou à tuer le Congolais. Et vous, en tant que Congolais, homme politique, je ne sais pas quel est le message, parce qu'il y a déjà des tueries, que je profite de l'occasion pour souhaiter des condoléances aux familles éprouvées à Kikwiti, par exemple, à cause de cette histoire des élections au Congo cette année. Quelles sont vos impressions? Mais avant de donner mon impression, il est important, c'est regrettable qu'on en soit arrivé là. Je vais d'abord faire un petit comeback. Nous avons mené un combat assez acharné ici dans la diaspora pour réclamer que notre pays, qui est occupé, parce que c'est le discours que toute la diaspora a utilisé, le Congo est occupé, il faut le libérer. Mmh. Occupé par qui? Occupé par ceux qui ont amené l'AFDL depuis 1996, 97. Ouais. Et depuis l'occupation, notre parti et notre pays connaît beaucoup de fléaux, beaucoup de destructions. On a tué, on a massacré les gens à l'est depuis dehors. On en tue quasi tous les jours. Pas plus longtemps qu'il y a un an, au Kasaï, on a eu la même chose. Le pays est pillé depuis lors de manière sauvage. À tel point que nous avons certains pays voisins qui sont devenus des exportateurs de minerais qui se trouvent chez nous et qui ne se trouvent pas chez eux. Donc ce combat que nous avons mené ici à l'extérieur, la diaspora a mené un combat pour réclamer l'unité et bouter l'occupant dehors. Dans l'unité, nous avons marché, nous avons... Aujourd'hui, quand on a réclamé l'alternance, il y avait l'opposition et, permettez-moi le terme, l'occupant. Ouais. On voulait bouter le régime des occupants dehors. Mmh. Et l'opposition, nous avons parlé le même langage depuis des mois, depuis des années, jusqu'à Genève. Ouais. Nous avons tous clamé l'alternance pour empêcher le régime en place de continuer à diriger comme il l'a fait. Aujourd'hui, c'est M. Tshisekedi qui a été élu. M. Tshisekedi fait partie de l'opposition. Ouais. C'est qu'on ne peut pas comprendre. Tant qu'on ne peut pas démontrer que ces résultats sont faux, tant qu'on ne peut pas apporter la preuve que le gagnant, c'est autre que M. Tshisekedi, pourquoi ces prétendus opposants avec lesquels nous avons mené le combat aujourd'hui sont en train de se laisser manipuler par les puissances étrangères, disons-le. Parce que qu'est-ce qui clame? Qui est-ce qui clame la victoire de M. Fayulu? Tout se passe à l'extérieur. C'est la Belgique, c'est la France, c'est des radios, des chaînes internationales, tous les organes de presse étrangers. Et quand on téléphone chez nous, personne n'est au courant de ce qui se fait à l'extérieur. Mais donc, comment est-ce que nos amis qui ont toujours été avec nous à l'opposition, aujourd'hui deviennent manipulables pour des desseins tout à fait difficiles à expliquer? Et ils continuent à manipuler même les ressortissants de leur province pour instiller de la haine au sein de la population congolaise. Ça, c'est quand même tout à fait regrettable. Moi, je le condamne fermement, parce que nous avons combattu pour que l'unité du Congo soit préservée, toute tendance, toute tribu confondue. Et c'est là mon message. J'en appelle à nos compatriotes qui pensent que en s'en prenant au Balouba, ils vont trouver les solutions à leurs problèmes, qu'ils se trompent, parce que jusqu'à aujourd'hui, ça fait 18 ans que le Congo sont dans les problèmes, il n'y a pas eu un Mulumba au pouvoir. Et on peut même remonter plus loin. Mais donc, croire qu'aujourd'hui,
en s'en prenant au Balouba, ils vont résoudre le problème de pouvoir ou qui se pose dans la République démocratique du Congo, c'est vraiment une grave erreur. On ne doit pas se laisser manipuler par ces étrangers, ces occidentaux, qui cherchent quoi ? À nous maintenir dans la division pour mieux régner, pour mieux exploiter nos ressources et laisser la population dans quelle situation ? De misère et de pauvreté sans précédent. Et donc il faut que les Congolais qui nous écoutent ce soir puissent comprendre que nous n'avons pas intérêt à céder à cette manipulation-là. Voilà mon message. Voilà, merci beaucoup, Dr. Kabanda. Je crois que ça allait être la dernière question, mais j'avais sauté une autre question que j'avais oubliée. Vous dites, depuis lors, le Balouba n'ont jamais dirigé, et aujourd'hui, c'est leur tour, mais en collaborant avec le pouvoir en place, que tout le monde criait d'un pouvoir des étrangers, il faut libérer, il faut les chasser. Et aujourd'hui, vous signez des contrats avec eux en cachette pour avoir le pouvoir. Est-ce que pourriez-vous nous parler un peu de cette histoire des accords cachés, secrets avec Kabila ? Parce que vous avez signé beaucoup d'accords, mais qu'on n'a jamais démontré, ça c'est vrai. Peut-être cette fois-ci, il y a une vérité dedans. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par là ? D'abord, je rectifie. Hein. Je n'ai pas dit que c'est le tour de Balouba. Non, non, non. C'est le tour de celui qui a su convaincre le peuple qu'il a un meilleur programme. Okay. Qu'il est porteur de l'espoir pour cette population-là. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas question de dire que c'est le tour de Balouba. Non, non. Tout le monde avait la possibilité de convaincre le peuple et d'obtenir le suffrage. Mm-hmm. Donc, moi, je ne vais pas dans cette optique-là de dire que c'est le tour de Balouba. Non, c'est absolument faux. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'il y a eu des contrats avec j'ai entendu M. Kamita te dire sur une chaîne que Félix Tshisekedi a signé des accords avant même la publication des résultats. C'est vraiment ne pas connaître M. Tshisekedi. Parce que Félix Tshisekedi a eu à combattre, dans le cas de l'UDPS, en commençant d'ailleurs par son père, depuis 18 ans que Kabila est là. Si on avait des accords à signer, on aurait signé des accords depuis longtemps. On a été à Venise, on a été à Ibiza. Si on avait besoin du pouvoir pour le pouvoir, c'est que j'ai entendu encore dans la bouche de M. Mbake. Si on avait besoin du pouvoir pour le pouvoir, on aurait signé les accords avec le régime de Kabila depuis longtemps. Combien de fois on a donné de l'argent, 5 millions, 7 millions, 3 millions à Félix Tshisekedi ? Soi-disant qu'il a des accords avec le régime en place. Non, il n'y a pas eu d'accord. Le seul deal qu'il y a eu, le seul contact qu'il y a eu avec le régime en place, c'est dans le cadre de passation du pouvoir. Mm-hmm. Voilà le seul contact qu'il y a eu entre M. Félix, en tout cas le président élu, et le président sortant, directement par personne interposée, ça n'a pas d'importance. Le seul contact qu'il y a eu, c'est dans le cadre de passation de pouvoir. Donc n'importe qui peut le faire. N'importe quel élu devait le faire. Pas il pouvait le faire, non, devait le faire. Parce que, avec cet accord de passation de pouvoir, nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons eu effectivement la première alternance démocratique pacifique en République démocratique du Congo. Et ceci grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mm-hmm. Donc, on a beau raconter des choses, hein, parce qu'il y a des gens qui ont un langage facile, hein, qui peuvent facilement raconter n'importe quoi pour faire croire aux gens que ce qu'ils disent est vrai. Mm-hmm. Et ça, c'est le propre de M. Kamitatou, qui a le langage facile, le discours facile. Il peut croire que tout ce qu'il dit aux gens, les gens peuvent croire que tout ce qu'il dit est vrai. C'est Tchako National et l'amour. Il est pire que Tchako National. Mais donc, M. Tshisekedi n'a pas eu des accords avant la publication des résultats avec le... Pour obtenir quoi ? Mais c'est quand même un peu extraordinaire que Kabila manipule les suffrages pour donner la victoire à celui qui l'a combattu depuis... Non, ça n'a aucun sens.
Et ils vont même jusqu'à dire qu'on est en train d'encenser celui qui a gardé le corps de Tshisekedi à l'extérieur, qui ne signera aucun accord avec. Mais attendez, il y en a qui ont mangé dans la main de Kabila pendant 18 ans, et ce sont les mêmes qui vont venir nous donner des leçons. Merci beaucoup, Dr. Kabanda, de nous avoir reçus. À moins que vous ayez un dernier mot, sinon nous arrivons à la fin de notre entretien. Eh bien, le dernier mot, c'est de dire que M. Tshisekedi Tshilombo, excusez-moi, c'est l'élu du peuple. C'est lui qui a gagné cette élection, jusqu'à preuve du contraire. C'est un gentleman qui a toujours eu un contact facile. La preuve est que tous de l'opposition ont toujours été en bon terme avec lui. Ouais. Aujourd'hui, il a la main tendue à tout le monde. Même à Fayulu, à tout le monde. Jappé Bemba, à tout le monde. Katumbi. Et je l'ai dit en rigolant sur la chaîne TV5, si on prend l'alphabet, c'est de A à Z. Tout c'est lui. Toute l'organisation, tout regroupement, tout parti politique qui a une lettre d'alphabet qui se trouve là-dedans, la main lui est tendue. Même pour les faire pierres quoi. Du Congo. La main est tendue à tout le monde. L'état des droits. Parce que on ne peut rien faire sans pardon, d'abord. Nous voulons instaurer un état de droit, nous ne pouvons pas en même temps être juges. Nous ne pouvons pas juger les gens. Sans... Non, il faut utiliser la justice. L'état de droit que nous voulons instaurer, c'est pour que tout le monde se sente libre, se sente protégé. Mais que celui qui aura transgressé la loi, qu'il sache aussi que cette loi peut lui tomber dessus. Donc nous ne pouvons pas être nous-mêmes les juges, commencer à juger les gens avant que la présomption de l'innocence elle est valable pour tout le monde. Et ceci est important dans l'état de droit que nous voulons instaurer au Congo. Donc, on fera en sorte que tout le monde se sente protégé par la loi, mais que la même loi puisse sanctionner tous ceux qui seront au travers, qui transgresseront cette loi. Voilà le message que je peux passer. Merci beaucoup, Dr. Kabanda. Merci beaucoup à vous tous qui nous ont suivis. Et je crois que cette émission fera plaisir à Papa Liévin Kabeya Moudiwambouji au Canada. Et qu'est-ce que ça vous dit? Je ne sais pas, au revoir et à la prochaine. Ciao, ciao. Au revoir, merci.